Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte. Alors vous êtes la déléguée générale de la Fondation GAN et à ce titre, il vous revient le plaisir de nous annoncer le prix spécial qui est un prix accordé en complément de ceux donnés par le jury. Oui, tout à fait. Mais alors tout d'abord, je dois dire que moi je suis très heureuse que nous soyons réunis à nouveau pour l'annonce de ce prix qui est un privilège que la Fondation a de récompenser chaque année un projet atypique et ambitieux en matière de création qui ouvre à d'autres formes de cinéma. Et cette année, notre choix s'est porté sur le projet Planète de Momoko Seto. Planète, c'est l'épopée de Dents de Lion, Baraban, Léonto et Taraxa qui, après avoir survécu à la destruction de la Terre, vont chercher dans le cosmos un sol propice à la survie de leur espèce. Jusqu'ici, tout va bien, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ces quatre petits héros sont en fait des akènes de pissenlit. Vous savez, ces petits plumets qui s'envolent gracieusement quand on leur souffle dessus. Il s'agit donc d'un film d'action et de survie avec des plantes. Bonjour Momoko. Bonjour Charlotte. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, on parle d'un prix spécial. Là, c'est cohérent. Je crois que le film va l'être tout autant. Oui, tout à fait. C'est un projet très étonnant, mais ce sera du jamais vu. Vous créez des mondes surnaturels microscopiques dans des serres. Momoko donc fait pousser des centaines de pissenlits, des plantes grasses, fait pourrir des fraises et va filmer tous ces éléments en accéléré au moyen d'une technologie de pointe, d'optique spécialement conçue. Donc tout cela en mouvement, en pleine transformation. Et avec le moyen de l'animation, vous introduisez en 3D les petits héros, les fameux Aken, dont les mouvements vont s'inspirer de mouvements de danseurs et les expressions orales de sang humain. Cette chorégraphie interespèce va nous faire vraiment prendre conscience de la richesse du vivant, sa fragilité, mais aussi sa capacité à se régénérer en terrain propice. Alors, bref, en deux mots, je dirais que Momoko Seto nous invite urgemment à prendre soin de la Terre. Momoko, comment est née cette idée assez folle d'imaginer des akènes de pissenlit comme des petits héros de fiction ? Alors, l'idée est venue quand j'étais en train de me promener dans un parc. Donc, j'ai vu cette boule de pissenlit pleine d'akènes, où on souffle naturellement. Et là, au lieu de souffler, je l'ai pris et je l'ai mis sur le ciel. Et j'ai un peu observé ce qui se passait. Et en fait, là, je me suis rendu compte que les akènes, donc ces graines de pissenlit, ces plumettes, elles avaient des tiges qui formaient vraiment comme un vaisseau spatial très futuriste. Pourtant, c'est quelque chose de très banal. Et j'imaginais tout d'un coup si ça volait dans l'espace. Voilà, comme en plus c'est une boule, on peut imaginer que ça se détache comme ça, ça vole. Et après, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient faire des voyages. Et je me dis, mais en fait, les graines, c'est la forme la plus mobile dans une plante. Puisqu'une fois que la graine est plantée, la plante ne bouge plus. Enfin, elle bouge un peu, mais pas beaucoup. Et si on veut faire un film d'action ou d'aventure ou de découverte, en fait, la graine, c'est presque la seule solution de faire des personnages. Alors concrètement, pour que l'on comprenne bien, seuls les akènes de pissenlit seront réalisés en 3D et ils seront incrustés dans des décors de prise de vue réelle tournés en macro. C'est ça. On a pris énormément de photos de graines de pissenlit pour que la réalisation 3D soit au plus proche du réalisme. Il n'y aura pas de yeux, il n'y aura pas de nez, il n'y aura pas de bouche. C'est juste pour les mouvements qu'on voulait faire en 3D, puisqu'en prise de vue réelle, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il y a des moments où on va mélanger avec des vrais akènes de pissenlit qu'on a filmés en slow motion. Donc ça sera mélangé et quand il y a des jeux, voilà, ça sera en 3D. Et alors, ils communiquent comment ? C'est quoi la langue des akènes ? Ils parlent l'akénois ? Alors, ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas de bouche, mais il y aura tout un travail de son qu'on va faire. Il y a un artiste sonore qui s'appelle Nicolas Becker qui va travailler tout le bruitage, tout le design sonore. Quentin Sirjac, le musicien, qui va travailler avec lui en binôme, mais très proche. Et ils vont vraiment composer le son, je dis bien composer le son, par image. C'est-à-dire, parfois, on va mettre que du bruitage, puisqu'il faut faire vivre aussi toutes ces plantes qu'on a accélérées. Ils n'ont pas de son, donc il faut créer un son. Donc il y a vraiment tout un imaginaire sonore qu'on doit créer. Et à partir de ça, le son va devenir ambiant, va devenir parfois rythme, va devenir musique, va devenir silence, va redonner la place au bruit. Et voilà, tout ça va être vraiment travaillé à l'image. Et combien de temps dure le tournage d'un film aussi atypique ? Alors, le tournage, ça dure presque 2 ans.
presque un mois de tournage en Islande, sur les glaciers. On a 9 mois de tournage en France, en Bourgogne, au château de Rambuteau, c'est l'endroit où on a trouvé, puisqu'il y a une verrière, il y a une serre, il y a une orangerie. Après, on part 2 mois et demi au Japon, sur une île pacifique, pour filmer une mousse, quelques insectes et des calamars fluorescents. Et après, on va aller aussi en Bretagne, accueilli par un centre de CNRS à Roscoff, pour filmer les anémones de mer. Et puis, 3 semaines au Brésil, pour filmer un insecte qui est complètement fou. Folle, qui est dans l'Amazonie. C'est le tour du monde. D'ailleurs, vous-même, Momoko, vous êtes née au Japon et vous êtes devenue française d'adoption. Est-ce qu'au-delà de la prouesse technique du film et de son message écologique, bien sûr, on peut y voir aussi un écho personnel sur le fait de trouver une terre d'asile ou pourquoi pas un enracinement quelque part? Oui, bien sûr. Je me suis... bien sûr, c'est une allégorie, mais en même temps, je pense qu'on cherche tous un chez-soi, un endroit où on peut s'enraciner. Au Japon, on utilise vraiment ce mot pour dire qu'on s'installe, et vraiment on utilise cette métaphore de plante. Et je pense que quelque part, ça parle un peu à tout le monde de dire, voilà, c'est où notre chez-nous, en fait? Comment ça se détermine? Donc un film universel et tout public, bien sûr. J'imagine que le film sera accompagné d'un travail de sensibilisation à destination des plus jeunes, notamment. Oui, c'est très important pour moi. J'ai toujours dit que j'aimerais bien que voilà, ma fille qui a 5 ans peut le voir. Qu'à la fois, il y a l'histoire, mais il y a aussi des images inédites, comment les plantes poussent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin, même si je vais au Brésil, mais on n'a pas besoin d'aller loin, finalement, pour s'émerveiller des choses naturelles. Et une dernière question, est-ce que vous avez déjà une idée de quand le film sera terminé? Alors, on a encore presque 1 an de tournage, une grosse année de post-production et 6 mois de son. Du coup, encore un tout petit peu. Allez, on attend jusqu'à 2024-2025. Allez. À la louche. Merci, Momoko, et bravo pour ce prix très spécial. Je vous invite à faire une petite photo avec Dominique. Merci.